on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fable Anniversary. La dernière fois, on s'est arrêté après avoir terminé tous les entraînements de la guilde, etc. Et avant de continuer la quête, un de mes abonnés a dit de venir ici, devant la porte. Il se reconnaîtra et d'ouvrir mon inventaire. D'abord, j'espère que vous allez bien, parce que moi, oui. Et on va tester ça tout de suite. Ta voix est sombre. Seule une lumière la révélera, mais tu n'es pas assez brillant. Alors voyons voir s'il m'a menti. Alors qui a-t-il dans mon inventaire? Ta voix est seule. Alors. Anniversaire, test de mêlée. Ça c'est les quêtes. C'est les quêtes passées quoi. Ah oui, ça c'est les quêtes qu'on a réussi à faire. Je vois pas. Je vois pas de quoi y parler. Ah oui. D'accord. Ton chemin est illuminé. J'aime bien la travailler. D'accord. Un nouveau toit. Donc il y a en tout 12 portes. Donc pour celle-ci, il suffit d'avoir. Je sais même pas comment j'ai eu la lampe. Je me rappelle plus. Oh. Tout beau ici. Se faire des amis. Parmi les sages conseils dispensés par ce livre, on peut contre-frapper les gens et généralement considéré comme mal élevé. L'Albion est un monde matérialiste. Couvrez votre prochain de cadeaux, il vous aimera. Et les bonnes actions vous attireront la sympathie des gens. Est-ce que je peux l'utiliser pour avoir une propre compétence par hasard? Alors, livre de sort. Ici, tatouage hurlement. Alors, ouvrons ça. Oh, les coffres ils ont un peu de lag. C'est tout. Ici y'a rien à prendre. Non, ça va. D'accord. Bon bah c'est bon. On a déjà fait ça donc on a fini la guilde des héros à 100% je dirais. Certaines quêtes vous permettent de faire des esbroufs. Ouais. On va tout de suite aller parler à notre maître. Pour voir ce qu'il en dit. J'espère que le son est bon, etc. Que la qualité d'image est bonne. Tout ça, tout ça. Ça ressemble à un gros tas de. D'idiotie. Quoi? Qui ça, le gros tas d'idiotie? Tu prends pour qui pour me parler comme ça, toi? Hein? Ah, y'a du monde, hein? Prenez la carte de quête des guêpes sur la table. D'accord. Suivez les sorties. Et. D'accord. Quand on voit l'œil, c'est combien de personnes nous voient. Enfin, je comprends pas vraiment haut le système de furtivité. Ah, il faut pas voler dans les demeures, c'est pas bien. Souvenez-vous que suivre les marqueurs dorés sur votre carte vous mènera à vos objectifs de quête. D'accord. Vous êtes au bon endroit. Ah ouais d'accord, ça c'est le... je sais plus comment il s'appelle. Vous devez vous rendre à l'aire de pique-nique. Réglez leur problème. Wow. Les guêpes attaquent la zone de pique-nique. Venez avec moi. C'est par là. D'accord, mais d'abord il y a une porte ici. Hey, par ici. Je te suis, je te suis. C'est par là. Oh, si j'avais encore une épée, je vous planterais. J'étais un aventurier comme vous. Mais regardez-moi maintenant, je mendie pour survivre, et ce morveux m'ennuie tout le temps.
Vous devez pouvoir vous débarrasser de lui. Alors, ah, tu pues autant que ce mendiant. Je me tire d'ici. Rarement vu un truc. Ah d'accord, en fait, tu fais juste de faire le P. Mille merci, héros. Vous vous ferez beaucoup d'amis dans vos voyages. Nous nous reverrons peut-être, héros. Peut-être bien. Attendez, je reviens. Me revoici, excusez-moi pour cette petite pause. Je suis parti manger. Ah, ah, des guêpes. Ah, des guêpes. Plus vite, c'est par là, s'il vous plaît. Air de pique-nique, hein. Oh là, je vois mes PS chuter. J'ai pas compris pourquoi. Let's go! Aidez-moi! Aidez-moi! Merci de m'avoir sauvé. Je vais parler de vous à tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Attendez que tout le monde la prenne. Il a reine. Ce que je me disais. Tuez toutes les guêpes. Votre arc sera utile contre la reine des guêpes. D'autres guêpes sont nées, mais elles ne font pas le poids contre vos armes. Attaquez encore la reine des guêpes. Utilisez vos pouvoirs de volonté contre elle. Et voilà. C'est fait. Ah, et on peut ramasser sa partenaire. Très bien. Cela est représenté par la barre en bas de l'écran. Vous devenez célèbre, plus votre présence sera perçue, célébrée ou même crainte. Pour accroître davantage votre renom, accomplissez des quêtes, montrez vos trophées et faites autant d'actions héroïques que possible. Toutes les augmentations de renom apparaissent en bas de l'écran sous la forme de... D'accord. Vous recevez une nouvelle quête. Alors, bonne tarte aux pommes. Des pommes. Plein de pommes. Ah, une barbe. Ouais. On a un peu de personnalisation dans le jeu. Donc. Ce cadran solaire fut construit pour commémorer la victoire la plus célèbre de Jack au cours de la bataille de la Moisson Sanglante. Retournons à l'arrière. Je regardais bien si mon micro est activé, c'est bon. Mars vous cherche partout. Il vous attend à la taverne de Bowerstone. D'accord, à la taverne de Bowerstone. D'accord. Bon, bah, allons-y à Bowerstone. Si vous connaissez le Fable 2, vous rappelez, vous connaîtrez ce que c'est. Enfin, vous connaissez. Je sais plus parler, vous saurez ce que c'est. Enfin, vous saurez quel lieu c'est. D'accord, il faut du feu. D'accord, ça c'est pour être rappelé à la guilde. C'est moins libre que les fables suivants, mais c'est quand même bien. Je regarde s'il y a des murs secrets, hein, on sait jamais. Peut-être qu'on est dans Dark Souls. Hein. D'ailleurs, en parlant de Dark Souls 2, je ne vous ferai pas les... Bonjour, bonsoir. DLC. Les effets de mon côté. Et je ne les ferai pas en vidéo. Ok.
Ok, d'accord. Bon, on attend que ça charge. C'est une grande ville à charger, donc ça prend du temps. Ah, voilà. Vous êtes nouveau ici, hein? Je vais vous expliquer les quelques règles que nous avons. Bowerstone est une ville paisible. Je vais devoir confisquer vos armes pour l'instant. Donnez-les-moi. Il y a des échoppes, des tavernes, des gens, des jeux. Plein de choses. Pourquoi ne pas faire un tour à la taverne? C'est le bâtiment qui se trouve devant vous, en haut de la route. Ah, et ouvrez l'œil. Lady Grey se trouve ici. Et faites preuve de respect. C'est la maîtresse ici. Profitez bien de votre séjour à Bowerstone. D'accord, merci bien. Oh, excusez-moi. Pas fait exprès. Les portes de culisses sont un moyen rapide de voyager en avion. Lorsque vous avez visité une région avec une porte de culisses, vous pouvez vous y téléporter quand vous voulez. Ok. Alors, on va faire un petit tour. Je sais pas si on peut acheter des maisons dans celui-ci. D'accord, on va rien voler. On va jouer gentil jusqu'au bout. Oui mon ami. Parce que moi j'aime bien respecter, enfin faire un peu de roleplay dans le jeu. Alors. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au bon endroit. Ah oui c'est cher. Vous devriez voir Maz. Il est dans la taverne. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir Maz. Oh, une clé d'argent. J'en ai une sur 30. D'accord. Donc, on va fouiller vraiment un maximum. Vous recherchez-vous ? En bas, peut-être. Non, en bas, y'a rien. Je suis déjà allé en face. Alors, Maz m'attend là-bas. Et pas si vite! Vous ne pouvez entrer ici! Ok. D'accord, d'accord. Non, je viendrai plus tard, pas tout de suite. Alors là-bas, ça m'étonne. Ouais. D'accord. Clé peut-être, cachée. Ah, je peux pas passer par là. Alors le forgeron. Vous êtes au bon endroit. Moins de dégâts, j'ai toujours mieux. Pour le moment on va garder ce qu'on a, on va rien acheter d'autre. Il est dans la taverne. C'est bizarre, j'étais censé avoir le DLC. Avec les armes, etc. Je regarderai pourquoi il y a ce bug. Soyez réglo. Toujours faire un tour. Les clés, c'est très très important. D'accord, ici il y a une cave, mais les portes sont fermées. Alors là-haut, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose. En dessous peut-être? Non, on peut passer. Ah. Tout mignon. Il n'y a rien dans cette maison. J'espère que ça vous donne pas mal à la tête quand je tourne la caméra comme ceci. Là, il n'y a rien. De toute façon, les clés d'argent ne se trouvent pas dans les coffres. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, oui. Par contre, sa tête est vraiment trop grosse par rapport à son corps.
C'est lui, Chasse-Poulet. Ah, je suis... Oui, mon personnage, c'est Chasse-Poulet. J'avais oublié ça. Tiens. Le barbier. C'était bien joué pour les guêpes. Bonjour. Bon, on va regarder cette coupe. Hein. Ça donne un des bonus de stats. Alors, rien. D'accord. Donc, rien chez le barbier. Oula. Petit freeze. Je crois savoir pourquoi ça freeze. Et si ça continue à freeze, on va devoir changer la qualité. Je suis vraiment désolé de vous donner une qualité aussi déplorable, mais... Parfois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, attendez, je vais réduire la qualité. Ellipse, me voici, je suis terriblement désolé pour ces crashs. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va aller refaire le tour. Là, je viens de relancer le jeu, donc là, tout devrait aller pour le mieux. En haut chez le barbier, on a vite voir. C'est pour la deuxième zone de Bowerstone. On n'ira pas faire tout de suite. On ira faire qu'on devra y aller. Il n'y a pas de passage derrière. Il y a quelqu'un dans cette maison, mais on va pas y aller tout de suite. Ça, c'est, je crois que c'est une maison qu'on peut acheter. C'est ce que je pense. Ça, c'est quoi? Elle peut être achetée si elle... Ouais. D'accord. 1500 pièces. D'accord, je peux encore l'acheter. Et quand on l'achète, ça lui permet d'ouvrir la porte. Il est comment? Vous pouvez bouger, s'il vous plaît. Non, je bouge, je pousse. Quoi? Oh, bonjour. Pardon, je suis Monsieur Goot, le proviseur de cette école. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment une école. Lady Grey... réduit nos crédits sans arrêt. Elle a vendu la moitié de notre bibliothèque, comme si les manoirs étaient plus importants que l'éducation de nos enfants. Enfin, si vous pouviez nous faire don de tout livre adéquat que vous trouverez dans vos voyages, ça nous rendrait service. Bonjour. Ah, rebonjour. Comment se faire des amis? Juste... Voilà. Restez donc et écoutez, héros. Il n'est jamais trop tard. La leçon du jour, c'est « Comment se faire des amis ?» Ce brave héros vient de nous montrer comment se faire des amis en faisant don de ce livre à l'école. Aider les gens et faire des cadeaux sont de bons moyens de se faire des amis. Quelqu'un connaît-il un autre moyen pour se faire des amis ? Monsieur ! Monsieur ! Oui ? Faut leur dire qu'on leur casse les dents s'ils veulent pas être nos amis. Non, Billy. Menacer les gens n'est pas un bon moyen de se faire des amis. Nous allons devoir revoir tout ça. Alors, veuillez respecter la loi, monsieur. L'histoire de Jacob. Restez donc, écoutez. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, écoutons. Qui est ce rouge guerrier qui sème mort et destruction sur la terre d'Albion? Jack! Qui est ce légendaire héros masqué, fort comme 10 hommes? C'est Jack! Qui est ce démon rôdant dans la nuit qui emmène les mauvais enfants en enfer? Jack! Certains disent que Jack of Blades est immortel, qu'il n'est pas de ce monde. D'autres encore affirment que ce n'est pas Jack, mais son masque que nous devons craindre et que de nombreux hommes l'ont autrefois porté. Quelle que soit la vérité, il vaut mieux ne pas le croiser. Alors, y a-t-il quelque chose d'autre? Avez-vous une histoire d'amour? Allez, on va lui donner. Merci, héros. Vous savez quelque chose sur le... La voix du guerrier prélève son tribut sur le visage du héros. Et les femmes s'enfuyaient avant même qu'il ne puisse les courser.
Un héros du nom de Ralph, d'une laideur extrême, volait les richesses des marchands. Avec cet or, il achetait de splendides présents qu'il offrait à toutes les... dames. Les demoiselles d'Albion se pâmaient et Ralph n'avait que l'embarras du choix. Un jour, il choisit une jeune fille à qui il offrit une jolie robe de mariée. Mais il comprit un peu tard que l'amour vrai ignorait la fortune. Son épouse n'en voulait qu'à son or et à ses pierres qu'il gardait dans l'armoire. En guise de divorce, de sa hache, il lui coupa la tête et accrocha celle-ci au mur, juste au-dessus du lit. C'est ainsi que son épouse devint la première femme trophée. Et Ralph abandonna la vie conjugale pour une vie de héros. Ah, rebonjour. C'était le livre... Poulet, le tueur de poulets. Quel nom stupide. C'est peut-être un nom stupide, mais ça t'apprend des choses, hein. Alors, on va tout de suite se rendre à la taverne de Bowerstone. Qui ne se trouve que là-bas. Où il y a Maz. Je crois que c'est Maz. Du mal à retenir sa première lettre en fait. Tu as aimé être au centre des attentions, hein? Oui, j'ai eu vent de ton combat contre la reine Guêpe. Tout Bowerstone en parle. Mais ne laisse pas de telles considérations te monter à la tête. Enfin, je ne t'ai pas appelé pour ça. De sombres forces se rassemblent à côté de ton insecte géant et ridicule. Quels sont tes souvenirs de la nuit où je t'ai emmené à la guilde et du raid sur Ogval? Pas vraiment, j'imagine. Une nuit terrible. Je pensais que les bandits avaient tué toute ta famille et que tu étais le suivant. Mais il semblerait qu'il y ait eu un autre survivant, ta grande sœur. Je crois que ce n'est qu'une rumeur. Impossible d'en être sûr, mais je devais te mettre au courant. Et par pitié, remplace donc cet équipement standard pendant que tu es là. Alors, est-ce que j'ai reçu... Pardon. Désolé d'avoir coupé. Alors... Non, j'ai toujours pas. Vite, suivez-moi. Allez, je te suis, petite. Ah, elle va nous permettre d'ouvrir la cave, c'est ça? Ah non. Oh, c'est terrible. Mon fils est malade. C'est mon petit, mon pauvre petit. Nous faisions un pique-nique à la croisée quand il a trouvé ces champignons étranges. La sorcière du quai de Bowerstone dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il lui faut d'autres champignons pour le soigner. J'irai bien en chercher moi-même, mais je dois m'occuper d'Aldi. Pouvez-vous nous aider? Bien sûr, ma chère. Alors, on va faire quand même un tour à la taverne. Chasse-poulet. Oui, chasse-poulet. À la recherche d'une bonne lame. Alors, à la table des paires, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Instruction. Là, vous aurez toutes les paires dans le temps imparti. Toutes les cartes sont faites que je vais dans les pièces de curseur. Ok. Parti. Concentration à la personne. Voilà. Combien?
Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression « raillé ». Hurrah ! Oui ! On va utiliser 50. Alors ! Oui ! Ah, c'est bien ! Ça alors ! Que les dieux soient avec pardon. Vous. Pardon, fail, là. Bon sang, je ferais bien de lui faire preuve de respect. Regardez-le. Il inspire le respect, non ? Voilà. On va miser 100, allez. C'est la dernière mise qu'on fera. Ça, on aura fait un gain de 160. Donnez-moi de la bière. Puis-je avoir une belle chope de bière avec plein de mousse? Ici. Cela. 5. Ici. Voilà. Ok. Hey, monsieur, vous avez des poupées de héros? C'est vrai? Super! Mon prof possède une poupée vraiment très rare. Il ne nous laisse pas jouer avec, car elle est précieuse. Il y a 7 poupées en tout. Si vous les rassemblez toutes, allez voir notre professeur. Je dois retourner en cours. Ciao! Les pères. D'accord. Une bière, s'il vous plaît. Votre nouveau rang est anodin. Oh là. Il a fait un 3-6, le mec. Mon cousin dit qu'il se passe des choses bizarres. Ravi de vous voir. Berger. Salutations. Pour vous servir. Les meilleurs prix. Y a rien d'autre ici. Chasse poulet. Vous êtes à la recherche d'une bonne lame. Chasse poulet. Je prononce bien? Ah, à l'étage. Oh, bonjour. Très heureuse de vous revoir. What? Ah, je crois que j'étais vivant, il m'a fait peur. Salutations. Qu'est-ce qu'une barbe tu fais en haut? Explique. C'est tremble. Un verre pour moi, merci. Alors on va dormir, comme ça on sera la matinée. Donnez-moi. Le lit est juste ici. Voilà, merci bien. Ah, il y a quelqu'un à qui parler, je crois. Ou alors c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Rebonjour. Ah, elle est amoureuse de moi. Le cœur au-dessus de telle personne, cela suffit qu'elle vous trouve séduisant. Plus les gens sont attirés par vous, plus le cœur est gros. Chasse-poulet. Donnez-moi de la bière. Suivez-moi. Suivez-moi. Hey. Dis-nous ensemble un jour. Hey. Dis-nous ensemble un jour. Hey. Attendez. Merci, héros. C'était bien. Donnez-moi de la bière. Je me demande ce qu'il fait ici. Ah, ok. Ça c'est fait. Y a une personne là-bas, qu'est-ce qu'il veut? Ah d'accord. Je vois. C'est vous, chasse-poulet. On va aller. Je sais plus où il est. Ah, il est là. Ah, une carte d'acheter. De quête importante vous attend à la guilde. Ravi de vous servir. Le coup 170, j'ai mieux, c'est mieux, mais j'ai pas physique requis. J'ai assez, mais c'est trop cher, beaucoup trop cher tout ce qui est en dessous.
on va voir pour la tenue. Le tailleur se trouve juste là. Je ne m'abuse. Ravi de vous servir. Trop cher. D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Zeus Dead Project HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.